Je vais aujourd'hui répondre à la question de Christina que je vous lis. En cas de maladie, pas grave, genre angine et fièvre, comme ça m'arrive en ce moment au Portugal, est-il souhaitable ou pas de faire la pause alimentaire de 24 heures, que ce soit pendant la maladie ou la convalescence? D'un côté, j'ai l'impression que cette pause alimentaire pourrait aider la guérison et d'un autre côté, qu'il pourrait affaiblir davantage l'organisme. Encore les peurs, probablement. Merci si vous pouvez m'éclairer. Donc, est-ce que faire une pause alimentaire de 24 heures ou s'abstenir de manger en période de moins bonne forme, d'inconfort, voire de maladie, pourrait être utile, pourrait être salutaire, bon pour la santé? Eh bien, c'est tout simplement ce qui a été démontré par le docteur Yoshinori Usumi, dernier prix Nobel de médecine en octobre 2016. Le biologiste japonais a montré, je l'avais déjà expliqué dans les précédentes vidéos, a montré que en l'absence de nourriture solide, mais aussi en présence de terrains infectieux, en présence d'infections, le corps va lutter pour sa survie et va éliminer, brûler ce dont il n'a pas besoin en priorité pour maintenir ce qui est vital. Et donc il va éliminer les toxines au sens large, les résidus, les rajouts de l'agroalimentaire, de la nourriture industrielle, tout ce que le corps stocke et qui l'encombre et qui le freine et qui le ralentit et qui nous densifie un peu plus dans la matière et qui nous obscurcit dans cette conscience qui est limitée, tenaillée par le mental. Donc, je réponds d'ores et déjà à la question de Christina. Oui, bien sûr, en cas de maladie, ça fait énormément de bien de ne pas manger. D'ailleurs, spontanément, les animaux blessés, les animaux malades, comme les enfants malades, spontanément n'ont pas faim. Ce qui montre quoi? Ce qui montre que naturellement, à l'écoute de vos perceptions, de votre ressenti, de votre intuition, sur la base de ce que le corps sait qui est bon ou pas pour lui, je dis toujours que le corps ne se trompe jamais. Tout est fait pour maintenir la santé, maintenir l'équilibre, et quand déséquilibre il y a, quand déficit de santé il y a, le corps lutte pour sa survie, pour retrouver son équilibre, passant bien sûr par des symptômes. La fièvre, l'inflammation, la douleur ne sont jamais que des manifestations, des traductions du corps par rapport à un déséquilibre qu'il tente de restaurer. Donc ça fait forcément du bien de mettre l'organisme au repos, de s'abstenir de manger. C'est pas obligé que ce soit 24 heures. Ça peut être moins, ça peut être simplement sauter un repas en évitant de grignoter entre ce repas et le prochain repas, bien sûr. Ça peut être aussi faire une pause alimentaire plus longue. Je rappelle d'ailleurs que de plus en plus de cancérologues conseillent à leurs patients à la veille d'une chimiothérapie, donc ils sont malades, donc ils sont en traitement, et pour renforcer le traitement tout en limitant, diminuant les effets secondaires de la chimiothérapie, de plus en plus de cancérologues conseillent à leurs patients de faire une pause alimentaire de 24, 48 à 72 heures. Et plusieurs personnes sous traitement, avec en particulier cancer du côlon
cancer du péritoine que j'ai pu côtoyer du fait de ces pauses alimentaires pour lesquelles j'accompagne les personnes depuis 4 ans, m'ont témoigné, ces personnes traitées pour des cancers m'ont témoigné que ça leur faisait énormément de bien et qu'elles vivaient leur chimiothérapie beaucoup plus confortablement. Après, bien sûr, il y a un bémol. La pause alimentaire n'est pas conseillée quand les défenses immunitaires sont trop affaiblies, quand l'état général est trop altéré. On parle de l'altération de l'état général. Ce qui sous-entend que il faut, une fois encore, éviter de faire tout et n'importe quoi, parce que certes, écouter son corps, c'est bien, mais des fois, l'écoute du corps est filtrée, faussée, influencée par les pseudo-écoutes du mental. Vous croyez écouter le corps, or c'est le mental que vous percevez. Et il faut être lucide et en bonne possession de tous ses moyens psychologiques, émotionnels, de sa stabilité émotionnelle, pour percevoir le plus objectivement parlant son corps. Et donc ce qui veut dire que ne faisons pas tout et n'importe quoi, et ne faisons pas l'impasse, une fois de plus, je le répète, ne faisons pas l'économie ni l'impasse du conseil et du regard médical. Ici même, au Québec, en cours de stage, eh bien, une personne n'est venue que pour 4 jours. Elle n'est venue que pour 4 jours parce que tout simplement elle est traitée pour un cancer et son cancérologue lui a dit « Ok, allez à ce stage, faites cette pause alimentaire, mais maximum 4 jours. » Voilà, c'est très bien, c'est parfait. Il faut savoir s'écouter, il faut savoir écouter, entendre aussi le regard médical qui a son importance dans ce dispositif, dans ce processus de la régénération par la pause alimentaire. Après, deuxième question, puisqu'en réalité, il n'y avait pas une seule question. Chez Christina, il y en avait deux. La deuxième question, c'était, vous vous demandez laquelle ? La deuxième question, elle était implicite, elle était sous-entendue. C'était, d'un côté, j'ai l'impression que cette pause alimentaire pourrait aider la guérison, et d'un autre côté, qu'il pourrait affaiblir davantage l'organisme, encore les peurs probablement. Autrement dit, il y a une question implicite qui est, est-ce que ce ne sont pas mes peurs qui me faussent dans ce regard bénéfique de la pause alimentaire ? Et bien sûr, qu'est-ce que je pourrais faire de ces peurs ? Comment est-ce que je peux gérer ça de manière à avoir une lucidité, un discernement sur le fait de manger ou de ne pas manger ? Voilà, et bien en même temps Christina répond encore les peurs certainement. C'est tout à fait ça. Quand vous avez peur, vous perdez du discernement. Il paraît que la peur n'évite pas le danger. Avec ça, on est bien aidé. Or, pour moi, le seul danger, c'est la peur, puisque la peur fait perdre de ses moyens. Donc, accueillir ses peurs, se laisser traverser par ses peurs, ne pas s'opposer, ne pas résister, ne pas mettre les peurs de côté. Comment ? Eh bien, une très bonne façon de mettre les peurs de côté, c'est de manger. Parce que la peur, parce que manger est aussi un anxiolytique, un anesthésiant, comme l'alcool, comme le fait de fumer, comme toutes les fuites compensatrices que peuvent être le sommeil, l'activité professionnelle excessive, hein, le workaholism, la dépendance au travail, comme la fuite dans les jeux, vous savez, les jeux télévisés, la Game Boy, comme la fuite dans les voyages, comme la fuite dans les médicaments. Les médicaments peuvent aussi constituer une fuite, une façon de se rassurer, une façon de s'anesthésier, une façon aussi de ne pas ressentir le corps. Donc vous voyez que c'est complexe tout ça et qu'il nous faut beaucoup de discernement. Alors certes, avoir du discernement et répondre à la question de Christina, c'est une chose, mais en définitive, il y a ce fameux savoir et puis il y a ce
ressentir, et ça c'est très très important. Entre-temps, il y a le regard extérieur qui peut éclairer, mais aussi parfois dont il est bon de ne pas écouter. Parce que quand vous voulez faire une pause alimentaire et qu'on vous dit « mais tu ne devrais pas, enfin il faut que tu prennes des forces, t'es pas bien, il faut que tu manges, il faut que tu aies des forces », eh bien qu'est-ce que dit le corps? De quoi est-ce qu'il a envie le corps? Est-ce que le corps veut de la nourriture ou est-ce qu'il n'en veut pas? Eh bien, sachez faire la part des choses, aller au plus sécurisant, aller au plus bénéfique pour votre santé et pour vous-même au sens large. Quand je parle de sécurisant, je ne parle pas de raisonnable. Soyez raisonnable, c'est donner la part belle au mental qui va primer sur l'écoute et la perception au niveau du corps. Et le mental, on dit que le mental est un menteur. Pourquoi? Parce que le mental n'est pas objectif, qu'il est conditionné, piloté par tous ses schémas, ses programmes et renforcé par les peurs, par les émotions. Donc, soyez sécurisant pour vous-même, mais sachez aussi de temps en temps ne pas être raisonnable. C'est aussi une certaine définition de la sagesse que de ne pas être toujours trop raisonnable et que de sortir des sentiers battus et de tracer son propre chemin. Peut-être aussi une très bonne option que d'aller vers l'inconnu et que d'oser sortir de sa zone de confort. Donc, au-delà de tout ça, savoir expérimenter, savoir se confronter, savoir accueillir ce qui dérange, et puis s'autoriser à sauter un repas, deux repas, trois repas, une journée, 24 heures, ça fait énormément de bien. Et là encore, écouter le corps est une très bonne façon de valider, vérifier que ça fait du bien. Le mental, il aura toujours des objections pour dire « allons doucement, on verra demain ». Et puis ça se passe pas forcément toujours bien. Et puis on m'a dit que, et puis c'est bizarre, je sens une faim. Mais là encore, est-ce que c'est une faim physique de l'estomac? Est-ce que c'est une faim mentale? Est-ce que c'est une faim émotionnelle? Est-ce que c'est une faim spirituelle? Donc faire la part des choses avec tout ça et revenir à son axe, à son centre, faire part de discernement, être dans la non-identification de ses peurs, mais aussi de ses programmes, de ses croyances, faire la part des choses avec tout ça. Le regard extérieur peut être utile, comme il peut être limitant. Et donc, en définitive, nous sommes seuls décideurs de notre décision finale et de ce qui va précéder l'action que nous sommes censés appliquer pour ne pas rester dans le mental, dans l'hésitation, dans la rumination, voire la procrastination. À un moment donné, il est aussi question de s'engager. Et donc, je confirme, tout discernement inclut bien sûr que la pause alimentaire, en contexte de maladie, est très bonne à la santé, comme l'a démontré le docteur Yoshinori Usumi, dernier prix Nobel de médecine 2016, octobre 2016, sur la base des principes de l'autophagie et de l'autolyse. Regardez sur internet, c'est très très bien documenté. Voilà, belle journée à vous, à très bientôt, au revoir.